Salut à tous, ici The Tutomania pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est un nouveau tutoriel sur l'application iMovie. Nous allons voir comment transférer la bibliothèque iMovie sur un disque dur externe. En faisant cela, vous allez bénéficier de beaucoup d'espace et vous allez éviter les latences dans iMovie si votre PC est faible en performance. Si vous enregistrez tous vos projets ainsi que tous les médias sur un disque ou une clé USB externe, donc vous allez gagner en vitesse. Alors pour ce faire, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez connecter votre disque externe ou clé USB sur votre ordinateur. Voilà, je vais vérifier la taille vite fait. Ok, je dispose d'assez d'espace pour copier la bibliothèque. Lorsque c'est fait, cliquez sur Aller à, ensuite sur Ordinateur. Cliquez sur votre disque, rendez-vous sur votre compte, puis dans Movie. Ensuite, lorsque vous êtes là-bas, vous allez apercevoir votre librairie iMovie. Vous allez faire clic droit dessus, puis copier. Lorsque c'est fait, vous vous rendez sur votre disque, puis vous allez coller la bibliothèque là-bas. Voilà, donc nous allons patienter un peu le temps que le transfert de la bibliothèque se termine. Ok, maintenant c'est bon. Lorsque c'est fait, vous allez ouvrir iMovie, puis supprimer tous vos projets existants. Ne vous inquiétez pas, la bibliothèque a été transférée sur votre clé USB ou disque, donc ceux-ci sont des copies qui sont restées dans votre ordinateur. Donc supprimez-les, vous n'allez pas perdre vos fichiers. Lorsque c'est fait, fermez iMovie, puis retournez dans l'emplacement de la bibliothèque. Voilà, comme vous pouvez l'apercevoir, la taille de la bibliothèque a considérablement réduit. Maintenant, c'est 14 gigas, mais celle que nous avons envoyée sur le disque fait 31 gigas. Donc, vous pouvez supprimer la copie existante sur votre ordinateur. Ensuite, ouvrez iMovie à l'aide de celle que vous venez de transférer. Voilà, comme vous pouvez l'apercevoir, tous les projets sont disponibles ici. Donc maintenant, si vous voulez utiliser iMovie, vous n'avez qu'à connecter votre disque externe sur votre ordinateur, puis vous pouvez utiliser iMovie et tout sera enregistré sur votre disque. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.